Il y avait, plus d'une centaine d'années auparavant, dans une contrée des Alpes, un petit village. Un petit village inconnu, une fois passé les hameaux voisins. Dorcières, les Ablandins, les Falavaux, les Prats, Brutino. De jolis noms, n'est-ce pas? Celui du village était joli, lui aussi. La Salette. Mélanie et Maximin y vivaient. On était en septembre 1846. Mélanie, qui avait 15 ans, en paraissait 11, tant elle avait souffert de misère. Vachère, dès l'âge de 8 ans, elle ne savait ni lire ni écrire, et ne parlait et ne comprenait que son patois villageois. Maximin, orphelin de mère, battu par sa marâtre, était aussi ignorant que Mélanie. Il fut une fois loué pour garder les vaches du paysan Pierre Selme. Il avait 11 ans. Dans les pâturages, Mélanie et Maximin se rencontrèrent. Ils jouèrent ensemble, cueillirent des fleurs, en firent des bouquets. Un jour, à midi, ils sont dans un ravin, près d'une fontaine dite des bergers. Et la fontaine est à sec en cette période de l'année. Le maître Pierre Selme fauche encore au loin, sur les pentes du planeau. L'Angélus de midi sonne au clocher de la Salette. Les bergers mènent boire leurs vaches à la fontaine des bêtes, plus bas. Ils reviennent avec leurs troupeaux. S'asseyant sur la pierre, ils mangent leur crouton de pain accompagné de fromage, puis ils s'allongent, s'endorment. Passe comme un grand oiseau plane, silencieux et lent. Quand Mélanie, la première, ouvre les yeux, il est 3 heures au soleil. Déjà, surprise désagréable, elle ne voit plus les vaches. Allons les chercher, Mémé. Vite. Ils grimpent les pentes du planeau. Ouf, Dieu merci, les vaches sont là, sur les flancs du Gargasse. Rassurés, les petits bergers redescendent. Alors, dans cette vie de simplicité et de calme, un globe de feu. Sur la pierre où ils avaient joué, mangé, dormi. Le soir seulement, à la rentrée des troupeaux, ils purent compter l'événement. D'abord à Pierre Selme, le maître, qui reprocha à Maximin. Pourquoi? Tu n'es pas venu te faire voir cet après-midi, tu savais où j'étais? Maître, c'est qu'il est arrivé. Quoi donc? Nous avons trouvé près du ruisseau une belle dame qui nous a fait deviser longtemps avec Mélanie. J'ai eu peur d'abord. Je n'osais pas aller chercher mon pain qui était près d'elle. Mais elle nous a dit « Avancez, mes enfants. N'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Pour la première fois, Maximin raconta. Sur le chemin du village, ils rencontrèrent la mère Prat,
surnommé Caron. Mère Caron, avez-vous vu passer une belle dame dans les airs au-dessus du vallon? Une dame? Oui, dans un globe de feu. Elle nous a parlé à Mélanie et à moi. Une deuxième fois, Maximin raconta. Chez les Prats, patrons de Mélanie, il dut recommencer pour la troisième fois. On courut chercher Mélanie à l'étable. As-tu vu? Comme Maximin? Oui, tout ce qu'il vous a dit, je l'ai vu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit, toi? Je voulais d'abord finir mon travail. Le récit de Mélanie répétait et confirmait celui de Maximin. Questions et réflexions tourmentaient l'esprit des paysans. L'histoire vint aux oreilles du maire. L'effet fut celui d'une bombe. Les administrations n'aiment pas les miracles parce qu'ils dérangent l'ordre établi. Le maire voulut faire taire Mélanie. Prends ce louis, Mélanie, je te le donne, il est à toi. Pour une pauvresse, c'était un cadeau extravagant. Mais ne raconte pas cette histoire! La dame a demandé de la dire, je la dirai. Entre-temps, Maximin avait retrouvé son père au cabaret de Cor, son village natal, où il raconta tout à haute voix et fut assailli de rire et de plaisanterie. Le maire de la Salette l'envoya chercher. Maximin, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu as inventée? Je dis ce que j'ai vu et entendu comme Mélanie. Au moins ne la raconte pas. Tu vas troubler la tranquillité de notre petit pays. Ça peut te coûter la prison. Maximin ne fut pas intimidé. Le maire alors convoqua les deux enfants pour le dimanche suivant sur la montagne pour la reconstitution des faits. Voulant faire comprendre à Maximin que ce n'était pas le moment de rire, un gendarme lui dit... Dis donc, s'il fallait te taire ou mourir, que choisirais-tu? Et l'enfant répondit avec simplicité... Je mourirai. Le maire fut bien obligé d'écrire un rapport. Premièrement, il constate avec les témoins troublés que la fontaine au berger s'est remise à couler. Et elle coule toujours. Ensuite, Maximin, dans son langage naïf, fait pour la millième fois le récit de cet après-midi du 19 septembre 1846. C'était un samedi, environ vers 2 ou 3 heures. Après avoir fait boire nos vaches au ruisseau qui est sur la montagne, nous les avons laissées dans le pré et nous nous sommes endormis à côté du ruisseau, tout près d'une petite fontaine tarie. Puis Mélanie s'est réveillée la première et m'a éveillée pour aller chercher les vaches qui avaient disparu. Nous sommes allés voir nos vaches et nous les avons vues couchées de l'autre côté. Puis, en descendant, Mélanie a vu la première une grande clarté et elle me dit « Maximin, viens voir cette clarté ». Je suis allée vers Mélanie, puis nous avons vu disparaître la clarté et nous avons vu dedans une dame assise vers la petite fontaine, la tête dans ses mains, et nous avons eu peur. Et Mélanie a laissé tomber son bâton et je lui ai dit « Garde ton bâton, si elle nous fait quelque chose, je lui donne un coup de bâton ». Et la dame s'est levée, a croisé ses bras et nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » On aurait dit une maman que ses enfants avaient battu et qui s'était enfuie dans la montagne pour pleurer tout son sou. Et je voulais lui dire « Ne pleurez pas, madame, on va vous consoler. » Et nous n'avons plus eu peur. Puis nous nous sommes avancés. Nous avons passé le ruisseau et la dame s'est avancée vers nous autres, environ 6 pas loin de l'endroit où elle était assise, et elle nous a dit « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis plus le retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous autres, qui n'en faites pas cas.
Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans y mettre le nom de mon fils. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année dernière par la récolte des pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas, au contraire. Quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez. Vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer de pourrir cette année. Et à Noël, il n'y en aura plus. Mélanie ne comprenait pas bien. Et elle me dit, qu'est-ce que... De suite, la dame répondit « Ah, vous ne comprenez pas le français, mes enfants. Attendez que je vous le dise autrement. » Et elle nous parla en patois. « Si la récolta se gasta, e fricke per vous acquetre, vous avisant. » Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront. Et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Les enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront mauvaises. Les raisins pourriront. Après cela, la dame me dit, « Tu ne diras pas ça, ni ça. » Puis elle garda un moment le silence. Et pendant ce temps, je m'amusais. Puis elle continua en patois. « Si se convertissun la pera lucha d'andra in debla, la trufa se trouva in s'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants. Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez pas mieux faire, dites seulement un pater et un ave Maria. Mais quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, il faut en dire davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Durant le carême, ils vont à la boucherie, comme des chiens. Ensuite, elle a dit... N'avez-vous jamais vu de blé gâté, mes enfants? Oh non, madame. Mais toi, Maximin, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers la terre du coin. Avec ton papa. Le maître du champ avait dit à ton père, « Venez voir comme mon blé se gâte. » Vous y êtes allés tous les deux. Ton père prit 2 ou 3 épis dans sa main, les froissa, et tout tomba en poussière. Puis, comme vous reveniez, n'étiez plus qu'à 1/2 heure du village, ton père te donna un morceau de pain en te disant, « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui en mangera l'an qui vient si le blé continue comme ça. » « C'est bien vrai, madame.
Je ne m'en souvenais pas tout à l'heure. Après cela, elle me dit... Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis elle a franchi le ruisseau, et à deux pas du ruisseau, sans se retourner vers nous, elle nous a dit encore... Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis elle est montée une trentaine de pas, en glissant sur l'herbe, comme si elle était suspendue, ou qu'on la pousse, ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe. Nous l'avons suivie sur la petite hauteur, jusqu'à l'endroit, à peu près, où nous avions été voir nos vaches. Mélanie a passé par devant la dame, et moi à côté, loin à deux ou trois pas. Avant de disparaître, cette belle dame s'éleva comme ça. Maximin indique avec sa main la hauteur de 1,50 m environ. Elle resta ainsi suspendue en l'air un moment. Puis, nous n'avons plus vu sa tête. Puis ses bras. Puis le reste du corps. Elle semblait fondre. Et puis, il resta une grande clarté que je voulais attraper avec la main, avec les fleurs qu'elle avait à ses pieds. Mais il n'y eut plus rien. Et Mélanie me dit... Ce doit être une grande sainte. Et je lui dis, si nous avions su que c'était une grande sainte, nous lui aurions dit de nous emmener avec elle. Après, nous étions bien contents et nous avons parlé de tout ce que nous avions vu. Et puis, nous avons gardé nos vaches. Tout cela n'arrangeait rien pour le maire. Les Prats, patrons de Mélanie, envoyèrent les enfants à monsieur le curé. L'abbé Perrin, curé de la paroisse, écouta tantôt Mélanie, tantôt Maximin. Enfin, il objecta... La dame a parlé en français. Oui, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Mélanie s'est tournée vers moi et... C'est vrai. Alors la belle dame a dit... Ah, mes enfants, vous ne comprenez pas le français. Eh bien, je vais vous le dire autrement. Et elle a continué en patois. Si ava de blafou palou semena, tout ce que semenare la bestia vous mangeren, ça que vous vedra tomber tout en poussière. L'abbé Perrin, ému, bouleversé, leur dit alors... Vous avez de la chance, mes enfants. Vous avez vu la Sainte Vierge. Combien d'autres interrogatoires ils durent subir ? Ils se répétaient inlassablement. La dame t'a donné un secret et t'a défendu de le dire, à la bonne heure. Mais dis-moi au moins si ce secret te regarde ou regarde un autre. Qui que ce soit que cela regarde, elle nous a défendu de le dire. Dieu a révélé ton secret à une sainte religieuse. Mais j'aime mieux le savoir et m'assurer ainsi que tu ne mens point. Puisque cette religieuse le sait, elle peut vous le dire. Moi, je ne le dirai pas. Ce secret regarde-t-il le ciel ou l'enfer? Il regarde ce qu'il regarde. Si je vous le dis, vous le saurez. Mais je ne veux pas le dire. C'est peut-être le démon qui t'a confié ton secret. Le démon peut bien parler, mais je ne crois pas que ce soit lui. Et qu'il puisse dire des secrets comme ça. Il ne défendrait pas de jurer, il ne porterait pas la croix et ne dirait pas d'aller à la messe. Comment se fait-il que tu ne connaissais pas Maximin avant le 19 septembre, puisque vous étiez bons amis? Tu lui parlais. Monsieur, je vous parle et je ne vous connais pas. Mais comment as-tu pu retenir toute cette histoire? Voici 3 jours que je te l'entends raconter, je ne pourrais pas la redire.
Monsieur, si la Sainte Vierge vous l'avait dit, vous la sauriez. Tes prédictions n'arrivent pas. On n'a pas vu la famine. Vous êtes bien pressé. Vous croyez être sûr d'aller au ciel? Je dirais où j'aurais mérité. C'est peut-être le démon que tu as vu. Mais monsieur, les démons ne portent pas une croix. Mon enfant, le démon a porté notre Seigneur sur le temple, sur la montagne. Il pourrait bien porter sa croix. Non, le bon Dieu ne laisserait pas porter sa croix comme ça. C'est sur la croix qu'il est mort. Mais il s'est laissé porter lui-même. C'est par la croix qu'il a sauvé le monde. Le maire, lui, ne se tenait pas pour battu. D'accord avec les gendarmes, il convoqua Maximin à la gendarmerie où on le menaça. Tu mens. Je vais te lier les mains et te mettre en prison. Vos menaces ne me feront pas dire le contraire de ce que j'ai vu et entendu. Eh bien, dis-moi où cette dame s'en est allée. Elle a disparu dans une lumière. La lumière nous empêchait de voir où elle allait. Vous ne l'avez pas revue depuis? Non, elle n'est pas venue nous dire où elle était allée. Cependant, elle est découverte. Les soldats l'ont saisie et conduite en prison. Oh, bien fin qui pourra la prendre, celle-là. On fut bien obligé de le libérer. L'abbé Dupanloup, devenu célèbre depuis, de passage dans la région, voulut voir et entendre Maximin. Il montra à l'enfant une cassette à secret qui s'ouvrait et se refermait sans clé et crut habile d'exciter sa curiosité. Dis-moi ton secret, mon enfant. Quand tu m'auras dit le tien, je te dirai le mien. Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi? Parce qu'on m'a défendu de le dire, le mien. On ne vous a pas défendu de le dire, le vôtre. L'abbé Dupanloup insista. Mais dis-moi au moins, mon enfant, ce que tu peux en dire. Le secret, est-ce chose heureuse ou malheureuse? Je ne peux pas. N'es-tu pas ennuyé de répéter si souvent la même chose? Monsieur, est-ce que ça vous ennuie de dire la messe tous les jours? L'abbé se fâcha. Tu es un menteur, je ne te crois pas. Monsieur, je ne suis pas chargé de rien vous faire croire, mais de vous le dire. L'abbé le tenta par le contenu de la cassette qui était pleine d'or, en vain. Tu ne veux pas me dire ton secret parce que tu n'en as pas. Oh, si, j'en ai un, mais je ne puis le dire. Qui te l'a défendu? La Sainte Vierge. L'abbé, un peu honteux de son stratagème, congédia l'enfant avec sa bénédiction. Les épreuves continuèrent. Maximin fut l'objet de la risée des gamins. Son père supporta de plus en plus mal les manifestations de curiosité. On en vint au raclet. Et pourtant, la belle dame a parlé de toi. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a dit, n'avez-vous jamais vu du blé gâté, mes enfants? Oh non, madame, ai-je répondu. Et elle a continué, s'adressant à moi. Mais toi, mon petit, tu dois bien en avoir vu, une fois, vers le coin avec ton papa. Et j'ai répondu, c'est vrai, madame, je ne m'en souvenais pas tout à l'heure. Oh, c'est pourtant vrai. Et le papa de Maximin, le charron Giraud, crut aux paroles de la belle dame. Il alla planter une croix à l'endroit où Maximin l'avait vue. Jamais plus il ne frappa son fils, devenu sa fierté. Les années passèrent. L'église s'occupa de l'affaire. Et après une longue enquête, l'évêque de Grenoble, Monseigneur de Brouillard, déclara dans un mandement : Nous jugeons que l'apparition de la Sainte Vierge à deux bergers le 19 septembre 1846 sur une montagne de la chaîne des Alpes dans la paroisse de la Salette porte en elle-même tous les caractères de la vérité. Et les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. Mais depuis déjà longtemps, les pèlerins montaient nombreux implorer la Vierge de la Salette. Ils demandèrent des miracles, des guérisons et des conversions, et les obtinrent. Chaque année, ils montent par dizaines de milliers pour prier la Vierge. Quant aux statues des petits bergers, elles se trouvent à la place même d'où ils ont vu, les yeux éblouis,
la reine du ciel et de la terre.